Bon alors bonjour, on est avec Stanislas et sa magnifique S3, très sombre mais bien préparé, bien ça. Voilà, alors on va faire un petit tour mécanique en premier je pense et après esthétique. Ok. Donc on va commencer par quoi déjà? T'as fait le moteur. Moteur de suite? Tout à fait, direct. Ah ouais, t'es chaud, t'es comme ça. Bien sûr, bien sûr. Allez. Après on bosse pas à partie cycle on va dire. Allez, allez. C'est un modèle début 2009, du coup. D'accord. C'est les Fast Life. Le modèle, du coup, les Fast 2. Remasterisé en 5 portes. Voilà. Très joli, hein, c'est une porte d'ailleurs. Noir. Oh. On le bloque. Donc, qu'est-ce qui nous a fait de bon? C'est un 2 litres TFSI 265 chevaux. Moi, sur le moteur a 145 000 km. Moi, le moteur, je l'ai forgé. Tout le moteur est neuf quasiment. Renforcé, bien le piston. Qui résiste à 750 chevaux à peu près. Voilà, c'est large. Le turbo est d'origine. Comme préparation, du coup, j'ai fait une admission, gros voulu, bobine d'Audir 8, bougie froide NGK. J'ai des injecteurs DRS4, une pompe HP kit Autotech, surtout pour la préparation, pour le passage à l'éthanol, parce que je suis à 100% éthanol. Ouais, et le bien. Prix. Tout à fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une petite dump, je pense. Oui, voilà. J'ai ma dump valve forge, du coup. Pour l'instant, le turbo est réglé à 1,5 bar, mais d'ici très prochainement 1,8 bar. Bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre dessus? Attendez, j'ai une note. Qu'est-ce que tu nous sors combien, là, avec. La petite gestion. La gestion actuelle, 1,5 bar et 370 chevaux à peu près. Et 500, un peu plus de 500 Nm. 1,8 bar, je suis censé sortir en moyenne, parce que j'ai d'autres S3 qui ont la même préparation que moi, à peu près 400 chevaux pour 550 Nm à peu près. C'est très déjà. C'est très bien. Le moteur est neuf, donc ça aide aussi pas mal. Du coup, j'ai aussi mon embrayage et volant moteur neuf, embrayage renforcé, sache, voilà. En origine. J'ai une pompe basse pression d'Audi TTRS, car d'origine elles ne suivent pas du tout les pompes. J'ai un outlet turbo, j'ai un DKTA en 76, et, donc un tube. Après, ouais, si j'ai, la sortie et les silencieux d'origine. Je fais très propre quand même. Hein. Ouais, ouais, franchement, c'est abusé. Pour le souligner, la caisse et le montage. C'est clair, c'est clair. Ça fait une semaine que je ne l'ai pas mis. C'est très, très, très propre. Rien à dire. Ouais. La cartographie a été faite par Fred Autosport à Bordeaux. Voilà. Fred Autosport, on est très content, je crois. C'est un très bon mappeur, c'est très convivial. Okay. Ça change des Bear Performance ou des grosses boîtes ou des poses de bagnole et qu'on la récupère un jour après. Là, avec une gestion. Là, on peut voir un petit peu le travail qui a été fait sur le véhicule et c'est plus sympa, on est chez la personne, on est assis à côté, on discute et on prend le temps de voir un petit peu plus par détail. Ça, c'est la marque du. C'est le joint de culasse renforcé. Ouais. Et oui, parce que suite à une casse moteur, la préparation, faut le dire. Ouais. Tout est neuf et j'essaie de prendre une culasse renforcée par feu. Ok. Bon, on va partir passer châssis. C'est esthétique. Ouais. Châssis, ah bon? Qu'est-ce que t'as, châssis? Faut le dire. Du coup, le logo alors, il a été peint. Ou c'était comme ça? J'ai changé ma calandre. La calandre, c'est oui. Une calandre de type RS3 8P. En noir, en nid d'abeille, ce qui fait beaucoup plus agressif. Ouais, ouais, ouais. Que j'ai posé en déposant le pare-choc. Le logo noir aussi, j'ai rajouté. Voilà. J'ai rajouté le logo 3-3 en dessous. C'est classe. Tout bêtement, comme le plus récent, qu'on peut trouver sur eBay. Et la petite finition rouge qui donne un petit rappel avec les sièges et les étriers. Châssis. Voilà, nouveau châssis. C'est les roues d'origine, si je dis pas de bêtises. C'est les jantes, le freinage complet, comprend les étriers et les disques de la RS3 8P. Donc la version d'après. La version qui fait 2005 TFSI, 5 cylindres, 340 chevaux. C'est la version d'après la version et RS. La version de RS. C'est la même version. C'est la même version, d'accord. Donc, en 19, les jantes qui sont assez grandes. Gros, gros freinage. Ouais. Oui. Je les caresse. Je vois ce qu'il faut, hein. Ah oui. Il semble pas qu'elle ait rabaissé. Après, le vent est monté sur calme. Ouais. Il faut la monte d'arrière. Okay. Les motos arrière sont des connus. Sinon, ouais. Il semble que devant c'est d'origine. Voilà. Le mapper à Bordeaux.
Donc c'est du rare air. Ok. Les rétros sont d'origine de cette couleur sur la S3? C'est les rétros des modèles S, des modèles R et CRS. D'accord. C'est peut-être pas. Non, c'est... sombre. C'est... Ah ouais, ça passe partout. Voilà. Tu dois commencer à jouer un peu, j'imagine. Une voiture qui a presque 10 ans, c'est bien. Ah ouais, c'est okay. Ultra sobre. Le wrap là, c'est toi? Ouais. C'est l'ancien propriétaire qui l'a mis. C'est okay. Très sympa, à l'intérieur aussi. Ouais. Pour voir l'intérieur. Qu'est-ce que c'est à l'intérieur? À l'ancien propriétaire, ça fait un peu plus joli. C'est du gris métallisé partout. Donc sur les flancs de portière et. Ok. Parlons du cuir rouge, c'est une version allemande, c'est tout ça, elle est importée d'Allemagne, c'est pas commun en cuir ouais. Rouge, souvent c'est le Pantara ou le blanc, ou tout noir. C'est vachement joli, ils sont piqués dans le volant d'être là. Je peux monter? Oui, vas-y, tu es là. Ah ouais, j'imagine full option quoi. À part le tour ouvrant, le démarrage sans clé et les sièges électriques, ouais, toute option. Aussi, qui est vachement... Un petit intérieur plus, c'est sympa. Carrément. Bon. Voiture passe-partout qui arrache. Ok. Sans être vulgaire, bien sûr. Qu'est-ce que on peut dire de plus? C'est déjà pas mal. Ouais. Elle a combien de kilomètres du coup? Du coup, t'as changé. 145 000 km. Ah mais t'as changé le bloc là. Ah oui, le bloc moteur, refait à neuf, forgé. Le piston a cassé suite à un joint de collecteur turbo qui ça a fait fendre un piston à 144 000 km. Du coup le moteur à 1500 km à peine. Ouais. J'ai fait un petit peu plus parce que j'ai fait 1500 de rodage. Et après j'ai fait la cartographie et... Une question qualité-prix de la caisse. J'ai hésité entre ça, au départ je voulais pas prendre ça. J'étais parti sur un série 6 BMW. Ah ouais, 645 i. Ouais, il y avait 8333 chevaux. Il y a d'autres bolides plus gros, RS4, etc. Mais c'était peut-être pas trop raisonnable, ça consomme énormément. Ouais. Mais, ça coûte sûrement plus aussi. Un petit peu. Après, j'aurais pu aussi, niveau prix, c'est à 15-20 000 euros, c'est aussi raisonnable. Mais niveau. Tu peux nous dire combien tu l'as acheté celle-là ou... comme j'ai acheté 15 250 euros. Et okay. Niveau prépa. Ouais. Quand je l'ai acheté, il y avait juste la dump et l'admission, donc rien, elle avait les jantes et tout sinon. Ah, mais d'accord. Niveau, à part elle n'avait pas le freinage. Si. Elle avait le freinage. Enfin, quand tu l'as acheté. À part ça, elle avait rien d'autre, mais au final, je ne l'ai pas acheté très cher par rapport aux autres. Donc, je suis vraiment assez satisfait pour le rapport qualité-prix et les préparations moteurs qu'on peut faire. Ouais. Et niveau prépa, ça te coûte combien là? Sans indiscrétion. J'ai pas fait dans un garage, mais... Non, bien sûr, tu t'es fait la main d'œuvre, mais... Mais sinon, pièce manœuvre, en cherchant un peu les bonnes affaires, tout neuf, j'en suis avec le moteur, donc tout neuf, partout. Et toute la prépa complète avec la carto, quoi. Oui, carto, ouais. Prêt à 5000 euros. 5000 euros, ouais. Donc au final, c'est un gros billet, mais tu repars pour avoir un moteur neuf et toutes les pièces neufs, et presque 400 chevaux, réalisé avec des très t'as très bons. T'as demandé un turbo neuf ou t'as gardé l'ancien? Non, était bon. Je le mettrais turbo hybride pour passer en stage 3. Carrément. Donc au final, pour une voiture qui est à peu près à 20 000 euros, ouais, c'est sûr. Pour avoir 400 chevaux et le moteur neuf forgé qui va être prêt pour un stage 3 et jusqu'à 600 chevaux. Tout à fait. Et puis c'est tellement sobre en 5 portes avec les deux freinages avant arrière. Il y en a beaucoup qui manquent que des freinages avant. Ouais, là il a les 4 freins de RS, ce qui est vraiment sale. C'est donc il est monté parce que plus que ça coûte. Ah oui. Tout le monde croit que c'est RS 3 du coup. Ben ouais, carrément. C'est la première chose. Les vitres sont teintées devant, non? Ouais, un peu. Teinté et surteinté derrière. Ouais, ok. L'assurance. Non, c'est pas excessif. Audi, c'est pas BMW. BMW, j'en avais eu. Par contre, que j'avais avant, je payais quasiment aussi cher. Ah, ouais. Pour un vieux oui, 46 330D. Ouais. Lui, au bout d'un an et demi de permis, après j'ai fait un stage pour baisser un petit peu la conduite, je paye que 120 euros par mois en tourisme. Okay. Avec un an et demi de permis. Donc, ouais. Ah, déjà qui t'assure, c'est des années. Ah ouais, t'as un mois et demi de permis. Un an et demi. Ah non. Quand même. Ok. Comme ça, c'est les années.
Ouais, les consos, à l'éthanol, t'en es content? Ça remonte. Maintenant, oui. Au 98, tu tires un petit peu dedans, avec un plein, tu fais allez, 450 km. Oui. 400. 15 litres au 100. J'ai jamais dépassé 450. D'accord. Maintenant, l'éthanol, je consomme pas beaucoup plus, pas forcément. Je vois pas trop, mais non. Pareil, 400, 450. Ah ouais? Si tu tires bien dedans, tu peux faire 300. Bien sûr. À 35€ le plein. C'est fun, on va dire. Tu fais deux pleins, ça te fait encore 20€ moins cher qu'un plein normal, quasiment. Ouais. Donc, sans déconner. T'es content de passer la pompe? Là, tu t'en fiches un peu. Ah, ok. Bon, allez, petit tour encore. Dernier petit tour. Ok, il va la démarrer. T'es chaud, ouais, t'es chaud pour aller l'essayer un peu ou quoi? Après pour aller l'essayer? C'est le but quand même. Ouais. Déjà, il va la démarrer, tu vas faire un tour. Ouais, voilà, tranquille. On va faire un tour du véhicule. Ok. Parti. On monte tous les deux. Ah ouais. Comment on fait? Tu mets derrière. Vas-y. On tire à droite plutôt. Comme tu veux, sinon, juste un petit tour pour te monter. Alors on vient de la peser, 1540 kg, avec un peu plus de la moitié du plein. Donc ce qui est pas dégueu avec les freinages et les jantes de RS3 et toute la prépa. Allez, on va voir comment ça marche. Quand je m'approche. Ah. On va partir ou pas? Regardez la route, impressionnant. Oh, voilà. 1/5 sort. Ah ouais, c'est bien, c'est sage. Ouais, c'est bien le couple parce qu'il y a vraiment une bonne reprise. Ah ouais, et puis le quattro, ça fait que tu perds rien quoi. C'est ouf. Reprise 3, c'est bien, t'as vachement. T'as combien là? T'es à 3000? On va même descendre à 2005. Pour un essence, justement. 2005 à 3. 2005, tu vois, tu mets plein de balles. Regardez que ça s'active. Ah ouais. Ah ouais. Si t'as coupé à même pas 6000, là, ouais, c'est bien. Et en plus, là, c'est vraiment en mode ligne droite. Dès qu'il y a 2-3 virages, ça doit aller très très vite. Ça file et tout, c'est chaud parce que t'accélères en 2, t'as 90 quasiment. Et ça va super vite. Tu joues un peu dans des virages sur des. Ah ouais. Ça accroche vraiment bien et quand la voiture est part, c'est toute la voiture. Donc oui, c'est pas possible de se planter, il faut vraiment arriver comme un gouré. On a quelques routes sympas là, pas loin. Pas loin que tu passes des après-midi, c'est bon. T'as rien à dire. Ce qui vient là, c'est que forger et tout, c'est ultra fiable. Et encore, c'est parce que ce quattro, quand vous montez dans une bagnole qui fait 350 ah oui. euros quoi, qui est en deux roues, ah ben oui. Mais ça colle beaucoup plus au siège. Hein. C'est ce que je te dis, le collègue, la Mégane là. Mais encore, au pire, je vous ferai essayer la prochaine fois. Là, tout droit, ouais. Ouais. Là, après, je vais être à 1/8, ça fait 0,3 en plus. Je vais être un peu. Là, je dois faire 360 chevaux. Ouais. On a fait au tout perfect expert. D'accord. Comme c'est fiable. Ouais, c'est carrément. On est à peu près content de la faire expert. Je m'en fiche, c'est tout.
Et du coup, ouais, tu penses vraiment. Ça va tout changer les 300 grammes, quoi. En perf. Ouais, mais ça va rajouter au moins 30 euros facile. Ouais, 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 tu vas redire à 400, quoi. Ouais, je pense, ouais. On a testé un ami à moi qui a, et encore, il a 1 bar 6, donc un peu plus que moi. Avec une coupée, une 3 par plus, c'est pareil, ouais. Ça change pas trop le poids. Ouais. Donc, dites-moi, là, ouais, tout droit, tout droit. Et il a testé contre les nouvelles RS3, parce qu'on n'a pas de banc, donc c'est que avec Perfect Spare, vite fait. Il a testé une reprise en 1, 2, 3, 4 avec une RS3, 400 chevaux, les nouvelles. D'accord. Bah, il est resté devant. Ah, pas beaucoup, mais il est resté devant tout le monde. D'accord. Donc, comme il a dit, c'est impressionnant, quoi, quand même. Ça marche vraiment bien. Parce que les autres, les 400 chevaux, c'est sûr qu'elle les sort, quoi. C'est d'origine. C'est clair, carrément. Bon, du coup, ça rupte légèrement, après ce que j'ai compris. Ça, c'est cool. Ça fait des petits retours des fois. Des fois. Ça dépend. Ou à bas régime, on va essayer là, quand j'accélère assez fort et je lâche à 3. À 3000, c'est tout. Là, j'ai le launch control et Ah, t'as le launch control dessus ? Ouais. Ah et ouais. Bug un petit peu, je sais pas pourquoi. Même le. J'ai le popping bang, enfin, comme vous avez vu sur la vidéo. Ouais. De toute façon, si, parce que sur la vidéo, je fais un launch control, je la monte à 4000, j'attends. D'accord. Et ça fait pas, 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 mais quand je lâche, bam, à fond. D'accord. Vous voulez qu'on mette direct là ? Ouais, ouais, comme tu veux, en fait. Non, non, c'est pas d'origine. C'est, c'est lui qui te l'a monté. C'est la carto, ouais, tout, ouais, c'est la cartographie. Ouais. Ravi à chaud. Ah ouais. C'est ultra sobre, c'est bien bien préparé, c'est clean. Voilà, c'est mieux ça que. Franchement, ouais, c'est impressionnant. Ah ouais. C'est vraiment pas. Sympa, le turbo, quoi. Ouais. L'effet turbo et le côté pour troller, quoi, parce que mine de rien, c'est quand même ultra sobre. Ah ouais. Très très bien. 20 000 balles, franchement.